tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul. Une vidéo haul où j'ai commandé des rouges à lèvres pour la première fois à Arc-en-Ciel et j'ai refait un haul chez Maki Haul pour des fossiles, car vous savez qu'en ce moment c'est ma petite lubie, et aussi pour les Amor métalliques de chez Milani, où pour moi ça a été un vrai coup de cœur avec le Maternity Love, le numéro 6, que j'adore beaucoup. C'est un rouge, mais un rouge chaud, un rouge de Noël, un rouge que j'adore. Et ils ont une excellente tenue. Enfin, pour moi, j'adore, c'est une super belle découverte. Donc, j'ai repassé une commande. Donc, on va commencer avec le site Maki Haul. En cadeau, j'ai un carré des maquillons lavables. Et c'est vrai qu'on n'en a jamais de trop. J'adore beaucoup ces petits carrés-là. J'utilise beaucoup diverses façons de me démaquiller, hein, vous le savez, hein, donc j'adore. Alors, pourquoi j'ai recommandé des fossiles? Maki Haul m'a proposé, en fait, de tester des fossiles. Et parce que là, elle en faisait rentrer et je lui ai dit, ben, pourquoi pas. J'ai toujours eu envie, mais j'ai jamais... je suis jamais passée... l'arme, on va dire, ou passer de l'autre côté, mais je trouve que ça finit le maquillage, et j'ai toujours dit que le mascara finit toujours le maquillage. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, je te mets des fossiles naturels. Donc c'est les 109 Black de la marque Ardell dans la gamme naturelle. Sur le site de chez Maki Haul, il y a au moins 3 gammes. Il y a les naturelles, il y a ceux que j'ai commandés, les Runway, et les autres, c'est Glamour, je crois, il me semble bien. Vous avez 2 colles, une colle noire et une colle transparente. Donc, elle m'a en plus envoyé une colle transparente. Étant novice, je ne savais pas trop comment faire, donc je suis aussi allée voir des tutos. Il n'y a pas de honte, hein. Donc, et puis moi, maintenant, je suis là pour vous donner ce que j'ai appris. Donc, je vais vous faire une vidéo et vous parler un peu aussi des fossiles et essayer de vous montrer comment je fais. Alors, peut-être pas là en fin d'année, cette année, je ne sais pas. J'ai le teint jaune, mais c'est un truc de malade. Oh, mon Dieu. Déjà, je vais peut-être... ou c'est mes lunettes, j'en sais rien. Enfin, ça fait chelou. Bref. De toute façon, je vais les enlever parce que je vais vous montrer ce que j'ai là. Donc, j'ai pu les tester... au niveau de mon travail sur ma journée de boulot, hein, voilà, donc à fond les ballons, une excellente tenue, ça m'a pas gênée. Et en allant voir des tutos sur YouTube, c'est vrai que je ne savais pas que avant de se poser des fossiles, il fallait en fait, façon de parler, prendre la taille. Parce qu'il faut surtout faire attention que ça ne vienne pas empiéter ici. Et ça, la première fois que je les ai mis, c'est ce que j'ai fait et je trouvais que ça me gênait, c'était inconfortable. Et en fait, je ne savais pas du tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et si vous entretenez vos fossiles correctement, vous pouvez les remettre autant que vous voulez, on va dire. Donc ensuite, j'ai la colle blanche, voilà, donc elle m'a envoyé la colle blanche avec. J'ai repassé commande en fait pour cela. Donc c'est ceux que je porte, donc je vais essayer de vous les montrer, c'est ceux que je porte là en ce moment. Donc je les ai mis, donc j'en ai mis 3, j'en ai mis un là, un là, un là, et pareil j'en ai mis 3 là. Donc en fait, comment je vais dire? Pour moi, c'est pas du tout la même façon, la même technique de poser un rond simple. Une paire de fossiles, une frange simple, c'est pas du tout pareil. J'ai envie de vous dire que je vais moins peiner en fait à poser carrément un fossile en entier que des fossiles simples. Parce que je n'ai pas non plus l'habitude, j'ai pas encore non plus la technique, mais en tout cas, j'aime vraiment le rendu, j'adore. Et je me suis dit, ben vas-y ma cocotte, prends une autre paire de fossiles, mais un peu plus, tu t'imposes. J'ai pris ça. Donc, rien à voir avec celle-ci. Hein, donc, c'est pas du tout, là, ça fait vraiment très naturel. Celle-ci, je ne les ai pas encore portées. Voilà. Et j'ai hâte de voir, de voir ce que ça donne. Ouais, ça doit être... pas mal. Donc je me dis pourquoi pas. J'ai recommandé donc une colle noire et je voulais absolument cette couleur là, c'est celle que j'ai là, c'est une tuerie, vous l'avez vu hein, sur tous mes réseaux. C'est une sorte de marron prune,
je ne saurais pas trop vous décrire la couleur. Je vais vous faire un swatch. Mais il est vraiment top. Alors, c'est pas du tout le même packaging, ni le même pinceau que les autres. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Tiens. Alors, je vais vous montrer la couleur. On va commencer là, parce qu'avec tous les autres rouges à lèvres que j'ai commandé sur showroom privé, ça valait vraiment le coup, là. Donc, regardez cette teinte. Donc là, on va laisser sécher, vous allez voir. Mais vraiment, et j'ai eu encore que des compliments sur cette couleur-là. Même moi, j'avais pas l'habitude de porter ces teintes-là. Et je me dirige, vous allez voir, dans les teintes que j'ai commandées, vers des teintes que je n'ai pas l'habitude de mettre. Donc, tous les liens seront, bien sûr, en barre d'infos. Si la barre d'infos n'est pas faite, revenez me le dire. Et parce que je peux oublier et du coup je la ferai, mais normalement tout doit être fait. Donc il y avait une vente sur showroom privé, c'est Peter Pan qui m'a prévenu. Bizarre. Il me dit il y a une vente de la marque Arc-en-Ciel, est-ce que tu connais? Oui, je connais, mais je n'ai jamais rien testé de cette marque là. Donc en fait j'ai essayé de prendre un rouge à lèvres dans chaque gamme pour pouvoir tester. Et en même temps, dites-moi si vous connaissez dans vos commentaires, ça sera intéressant d'échanger. Voilà, alors déjà dans une gamme, c'est Rouge Blush Sparkle, c'est le 395, c'est un prune impérial. Oui, je me dirige dans le prune, chose qui est bizarre d'ailleurs. Il se présente comme ceci, voilà. Lui par contre, ce n'est pas du tout un mat. Alors je vais le mettre peut-être en bas, vu que c'est pas un mat, je vais laisser que le haut pour les mats. Il est trop beau, mais il est vraiment... ils mettent... Impérial. Ah ben non, je croyais que c'était Spartacus, moi, n'importe quoi. Il est magnifique. Il a des reflets un petit peu bleus et il y a des comme des paillettes dedans. Voilà. Toute ma commande de ce que je vais vous présenter là, j'en ai eu pour 30 euros. Franchement, ça valait vraiment le coup. Donc, guettez au niveau de showroom privé et tout. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Ensuite, dans une autre gamme de chez eux, donc là, ça va être dans les caresses de rouge. Ouais, c'est le 120, donc il se présente comme ça, packaging, ouais, c'est du plastique, mais quand même, ça fait quand même son petit effet, plutôt sympa. Quand j'ai vu la couleur, j'ai dit, oh, mon Dieu. Et en fait, non, pas du tout. C'est un marron. Alors moi, je n'aime pas les marrons du tout. Et je pense que celui-ci ne m'ira pas. Donc, je vais faire doucement au niveau des swatchs. Et je vais voir après ce que j'en ferai. Mais cette couleur-là, je pensais que c'était un prune. Et en fait, non, pas du tout. C'est un marron. Et ça, vous allez me dire, ça ressemble à ça. Mais non, pas du tout. Vous voyez bien, vous voyez, il a séché. Donc, vous voyez bien la différence. Il est en train de sécher même, d'ailleurs. Donc, lui, pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. Ensuite, il m'a fait penser, je me suis dit, ils m'ont mis un Milani. Vraiment, les Milani, c'est vraiment pile poil ça. Le packaging, cassez-vous pas la tête, poupou, c'est tout à fait... Et c'est un mat, donc c'est le 383 pourpre mat. Donc vraiment le même packaging. Regardez-moi cette couleur. Bah, ça t'explose dans la tête, mon gars. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je vais vous faire le swatch là. Et là, donc ça fait vraiment le prune. Mais ça ne fait pas non plus le prune de la couleur, vous voyez. Dans le raisin, il fait beaucoup plus foncé. Et sur la peau, il fait beaucoup plus clair. Mais il est trop beau. J'en ai un comme ça, d'ailleurs, de chez Milani. Ensuite, là, il me reste maintenant les trois mats qui se présentent sous la même forme, en fait. D'ailleurs, ils ont mis showroom privé. Tiens, j'ai même pas fait gaffe. Ils se présentent sous la même forme des bourgeois. Voilà, comme ça. Donc c'était pas évident de choisir les teintes, c'est pour ça je pense que j'ai dû me planter au niveau du marron, parce que c'était pas trop évident. Donc ça, ce sont les mats Hysteria, ce sont des mats, donc c'est exactement le même packaging que Bourgeois. Alors là, vous voyez, je suis en train de taper encore dans un marron, putain le marron, j'en ai marre, il vient tout le temps à moi, c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est pareil, je pense que je ne garderai pas parce que je n'aime pas trop. Celui-ci il passe encore, il y a du marron mais quand on le voit il y a des reflets bordeaux dedans. Donc c'est complètement différent. Ensuite là une autre couleur, alors celle-ci j'adore cette couleur, pourtant c'est pas du tout mes teintes. J'ai une tunique Marilyn Monroe un peu dans cette teinte là, dans cette couleur, je pense que ça va faire super bien avec. Et c'est le...
Et je vous ai dit, lui, d'ailleurs. Non, je ne vous ai pas dit, lui. Donc, lui, c'est le 386 prune polka. Vous voyez, polka, ouais, prune, polka. Ça fait prune, mais je ne trouve pas. On va attendre qu'il sèche. D'ailleurs, je vais regarder où c'est qu'on peut les trouver, cette marque-là. Et le 337 Ula Fuchsia. Vous voyez, cette couleur-là. Couleur de dingue, hein. Et ensuite, le 372 bois de rose baroque. Donc moi, j'adore les rouges à lèvres bois de rose. Ça fait des années que j'aime le bois de rose. Et en fait, il fait plus marron que bois de rose. Donc cette commande-là, quand je l'ai eue, j'ai dit, mais c'est pas vrai le marron! Qu'est-ce qu'il a à me suivre? Voilà, ici. Bon, je pense que celui-ci, ça va quand même passer. On va voir. Il me fait penser en fait à un Girl Actic que j'ai revendu, je crois que c'est Baroque, ouais. Mais celui-ci, c'est donc celui-là de Milani, vous voyez, il a séché, il a quand même des reflets prunes. Il a un fond marron, mais il a des reflets prunes et ça me convient mieux que là, ces couleurs-là, le marron, non, je peux pas. Déjà, même ce marron-là, c'est trop clair, c'est space. Donc, je peux pas vous dire encore... au niveau de la tenue, tout ça, donc je vais faire comme d'habitude, hein, sur Snap, sur tous mes réseaux, et on en reparlera. Déjà, première impression, ils ont quand même une bonne pigmentation, les mats. Bon, les autres, hein, c'est pas des mats, mais ils ont une bonne... comment dire? Une bonne pigmentation, je cherche mes mots là, parce que je suis en train de regarder, en fait, ouais, c'est vraiment marron l'autre, hein. Celui-ci, c'est vraiment marron. Voilà. Donc je connaissais pas cette marque là, mais vraiment à découvrir. Ensuite je vais vous reparler vite fait, il y a la gamme Ofra, ça y est, qui est arrivée sur le site Maquihaul, et lui c'est un gros coup de cœur. Justement c'est un prune, et c'est un prune comme je les aime, c'est un prune quand tu vois ça fait pas, et en même temps tout va bien, ça te va, ça illumine ton visage. Et tu le portes et avec comme ça un trait d'eyeliner ou même que du mascara. Et ça, je kiffe avoir une bouche foncée et avoir les yeux beaucoup plus neutres, plus clairs et tout. Ou, par exemple, tu es chez toi, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu te mets un coup de mascara et tout. Tu dois sortir vite fait à l'improviste, tu te mets ça, bon, c'est bon. Nickel. Alors, je vais vous faire un swatch, il est trop beau. Ah, c'est un de mes chouchous celui-ci. Par contre, à savoir, et je vous préviens, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit, les filles, ils transfèrent les Ofra. Ceux-là, ils transfèrent. Ils sont mats quand ils sèchent, mais ils transfèrent. Moi, ça ne me dérange pas. Regardez-moi cette teinte. C'est un peu ça, mais beaucoup plus foncé. Ça, je kiffe. C'est la teinte Mina. J'adore, 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 j'adore. Vous voyez, alors les autres en haut, là, ils sont déjà secs, hein. Bon, léger, ouais, ils sont en train de sécher. Hein. L'autre, c'est bon. L'autre de Milani, il est sec. J'adore. Ah, et celui-là, j'accroche pas trop. Hein. Il est pas beau, hein, ce marron-là. Bouh ! Non. Maintenant, on va voir les autres, s'ils dessèchent les lèvres et comment ils sont. Mais en tout cas, là, mon coup de cœur, lui, là, de chez Milani, et puis lui, de chez Ofra. De toute façon, vous le voyez bien sur les réseaux. Donc voilà, je tenais à partager avec vous cette commande-là. Guettez showroom privé et guettez vente privée, parce que franchement, il y a des affaires. Surtout qu'ils sont quand même pas si donnés que ça, hein, les rouges à lèvres arc-en-ciel. Donc là, je vous dis, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 pour même pas 30 euros. Hein. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc je tenais à partager... ça avec vous. Je vais essayer de trouver la marque Arc-en-Ciel parce que franchement je me souviens plus, je l'ai vu, si c'est Leclerc ou dans la parapharmacie ou autre, mais je vais regarder sur d'autres sites et si je trouve je vous mets des liens en barre d'infos. Et puis comme ça ça peut, parce que les prix là je peux pas vous les redonner, hein, parce que showroom privé j'ai pas la facture, je sais même pas où la facture, d'ailleurs j'en sais rien, donc elle est... Je ne sais même pas s'il y avait, je m'en souviens plus, je crois. Ah si, il y avait, je ne l'ai pas gardé. Si si, il y a, mais il n'y avait pas les prix, c'est pour ça que je l'ai jeté. Donc voilà, voilà. Donc je vous mets tout en bas, la référence de tout, et je vous fais plein de gros bisous. J'essaye de revisionner la vidéo et de vous les mettre dans l'ordre au niveau des références, comme ça, vous ne vous tromperez pas. J'essaye. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.